recherche, comme on fait d'habitude dans une conférence. Je vais faire strictement l'inverse. Je vais vous présenter tous les raisonnements, le problème tel qu'on construit avant de lancer un sujet de recherche. C'est-à-dire que vous n'allez avoir aucun résultat sur le problème que j'évoque ici, mais seulement vous montrer quels sont les raisonnements qu'on a mis en place pour lancer un programme de recherche sur cette thématique. Alors, donc, comme vous vous en doutez tous hein, du niveau que vous avez, le problème qui m'intéresse, c'est de savoir, dans un réservoir calcaire, par exemple, hein, on va surtout parler de réservoir calcaire, fracturé, à quel endroit est la perméabilité. Vous pensez bien qu'il y a des conséquences importantes dans tout ce qui concerne les réservoirs, que ce soit sur le plan des hydrocarbures ou sur le plan de l'eau. Hein, il y a vraiment quelque chose de critique là-dessus. Alors, je suppose hein, que quand vous voyez cette photo-là, un pli, hein, un anticlinal, ça vient du Jura français, c'est à peu près clair pour tout le monde que le maximum de la fracturation devrait être quelque part dans la charnière, hein, c'est là où le plissement maximum se fait, et c'est là qu'on s'attend à ce qu'il y ait la fracturation, donc la perméabilité, c'est là qu'il devrait y avoir la circulation des fluides, etc. Donc, la question que je pose, c'est où est la porosité efficace, donc c'est tout le système de réseau de fracture connecté. Alors, pour illustrer un peu cette problématique, je vais prendre un anticlinal qui est un anticlinal tunisien, hein, qui est dans le bassin de Gafsa, au sud. C'est un travail qui a été fait dans le cadre d'une thèse que j'ai co-dirigée ici en Tunisie, avec Riyad Amadi, qui est maintenant à Gabès, qui est enseignant-chercheur à Gabès. Et il s'agit du Jebel Seïb, donc qui est au sud de Gafsa. Alors vous avez ici la série mésozoïque, hein, avec notamment marqué ici en vert la diode, donc le Maastrichtien campanien, qui est un épais niveau calcaire, qui correspond à un réservoir très sollicité dans cette région. Alors cette diode affleure ici au niveau d'anticlinal. Et on va regarder, en faisant du terrain, en regardant les photos aériennes, etc., où est le maximum de la fracturation. Et quand on établit donc la carte de la densité de la fracturation, on ne va pas rentrer dans les détails sur la manière dont on mesure cette densité, on trouve un résultat très très surprenant, a priori, c'est qu'au niveau de la charnière, ici, alors tous les points rouges correspondent à des stations de mesure. Hein. Donc quand on regarde au niveau de la charnière, on trouve qu'on a très très peu de fracturation et qu'au contraire, la fracturation, elle est dans les flancs, dans les deux flancs du pli. Hein? Si je reviens un petit peu en arrière, ici, la fracturation, elle n'est pas là, elle est là et là. Bon, alors, ça c'est un exemple, hein? Et on en a des dizaines d'autres et on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout simple, c'est pas du tout évident de faire le lien entre le plissement et la fracturation. Et tous ceux qui vous disent qu'ils ont compris comment ça se passait, à mon avis, ils se trompent. Hein. On a des dizaines et des dizaines de cas de figure différents avec des fracturations, je vous donnerai quelques exemples, qui sont réparties de façon très très surprenante dans les anticlinaux, dans les synclinaux, dans les plis. Alors, on s'est dit, ça ne va pas, cette incertitude, cette incompréhension, on va essayer de travailler là-dessus, on va essayer de comprendre quelles sont les relations entre les plis et les fracturations. Et on va essayer de voir quels sont les différents paramètres qui peuvent expliquer cette différence. Alors, il y a évidemment des paramètres qui doivent être liés à la lithologie, c'est-à-dire par exemple la dureté, la compacité des roches. Il y a des paramètres qui doivent être liés à la compaction, à la diagenèse, à l'enfouissement maximum des roches, par exemple. Et puis, il doit y avoir des paramètres qui sont liés à la cinématique du plissement, c'est-à-dire la manière dont le pli se fait. Et c'est précisément sur cette question de la cinématique des plis, on a essayé de développer un raisonnement, si vous voulez, pour essayer de faire le lien entre la tectonique et la fracturation. Alors, soyons clairs, hein, on va travailler ici uniquement dans les zones externes des orogènes, c'est-à-dire dans des sédiments plateformes, non métamorphisés. Donc ça va nous donner des plis opaques, des plis où les couches conservent les épaisseurs. Donc il n'y a pas de métamorphisme et la déformation est planaire, on va en parler, on va parler plus tard. C'est-à-dire typiquement on est dans ce qui correspondrait, si vous voulez, à la géologie de la Tunisie. Hein. On n'est pas dans des roches très métamorphisées ou des choses comme ça. On parle de réservoirs, je pense au pétrole, à l'eau, à des choses comme ça. Alors,
On va commencer par une introduction sur justement ces problèmes de cinématique du plissement. Vous allez voir qu'en fait, cette introduction, elle risque de durer quasiment les trois quarts de mon exposé. Hein. C'est une introduction un peu développée. Encore une fois, c'est un choix que je fais. J'essaie plus de vous expliquer les raisonnements qui sont à la base de notre projet de recherche, plus que les résultats qui ne sont pas encore tout à fait consolidés, tout à fait certains. Alors, quand on demande à des gens, et même des géologues, surtout des géologues, je veux dire, comment on fait un pli, généralement, ils nous donnent une explication qui tient en gros dans ce petit dessin, hein, avec une image, une feuille de papier qui est punaisée ici, hein, on pourrait mettre une brique, puis on appuie, et puis ça fait un pli. Mais il faut bien se rendre compte que mécaniquement, pour que cette petite expérience que vous pouvez faire tous sur vos genoux puisse marcher, il faut en fait que le vide qu'on a créé ici soit comblé par de l'air, hein, qui vient des côtés. C'est-à-dire, pour réaliser cette expérience, on a besoin d'injecter de l'air, hein, qui provient des côtés. Alors, c'est une injection très légère, hein, évidemment, mais en tout cas, dans un premier temps, il n'y a pas d'air sous la feuille de papier, puis après, il y a de l'air sous la feuille de papier. Il y a donc un mouvement d'air. Alors, si on réfléchit en termes géologiques, hein, si on prend une couche géologique, qu'on appuie dessus, qu'on l'appuie comme ça, pour arriver à faire le pli, il faudrait qu'il y ait du matériel géologique qui arrive par les côtés. Hein. Ce qui est bien sûr complètement idiot, parce que ce matériel géologique qui viendrait sur les côtés, ben, on verrait des dépressions, on verrait des choses. Ça ne peut pas être comme ça qu'un pli se forme. Ça ne peut être que beaucoup plus compliqué. Alors, il y a un autre problème qui se pose, c'est que quand on dessine un pli opaque, donc qui conserve des épaisseurs des couches, eh bien, très vite, hein, quand on continue à dessiner des choses, en profondeur, on arrive à des choses qui ne sont pas possibles. Il y a obligatoirement des choses qui ne vont pas. Et donc, manifestement, à partir d'un certain niveau en profondeur, le pli n'est plus ce qu'il était. En clair, si vous voulez, un pli, ça ne va pas jusqu'au centre de la Terre. Hein, ce que tout le monde est prêt à admettre, je pense. Hein. Donc, obligatoirement, un pli, notamment sur les zones externes, dans les zones externes, il y a un niveau où ça s'arrête, hein, c'est ce qu'on va appeler le niveau de décollement. Alors, notamment en Tunisie, hein, bah, ça ne vous pose pas trop de problème ce dessin-là. Hein. On imagine très bien la série mésocénozoïque, et puis le Trias, les évaporites du Trias, sur un socle paléozoïque rigide qui ne se déforme pas ou qui se déforme peu. Hein. Alors, ce niveau particulier, c'est ce qu'on appelle le niveau d'écollement. On est bien d'accord qu'un pli, ça ne peut pas aller jusqu'au centre de la Terre. Il y a un moment où ça doit s'arrêter. Hein. Il y a un décollement qui se fait entre la surface et la profondeur. Alors, ce niveau de décollement, il peut prendre plusieurs formes. Hein. J'avais évoqué ici l'existence d'un épais niveau ductile. Ça peut être aussi un simple chevauchement horizontal, hein, sur lequel se fait la déformation. Toujours est-il que dans les deux cas, vous voyez que vous avez un comportement dans le bloc supérieur et un comportement différent dans le bloc inférieur, le bloc inférieur n'étant pas déformé, alors que le bloc supérieur étant déformé. Hein, on a donc un manque d'harmonie entre les déformations. On va parler de disharmonie. Hein. On a un niveau de disharmonie entre ce qui se passe en surface et ce qui se passe en profondeur. Alors, voilà, donc là, c'est des plis, le type de plis qu'on va produire, les plis disharmoniques, les plis droits. Pour expliquer la création de relief, hein, donc la déformation, il faut obligatoirement qu'il y ait quelque chose qui était déplacé vers l'arrière. Hein. On est dans un contexte tectonique, bien entendu, qui en gros est dans l'esprit de la dérive des continents, c'est parce qu'on a un raccourcissement horizontal, on a des plis. Hein. Si on a un pli, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui pousse par en dessous, c'est parce qu'on a, une déformation tangentielle, on est dans un contexte de dérive des continents. Bon, et c'est ce qui est déplacé ici à l'arrière qui engendre notamment, hein, le relief qui va se matérialiser sous la forme d'un pli. Alors, ça nous amène à une loi assez fondamentale qui est en fait une loi de conservation de la matière. C'est un peu, on va en parler, l'application de la loi de la conservation de la matière à la tectonique. Hein. Moi, je pense très sincèrement que c'est absolument pas normal que les tectoniciens, notamment, ne
propose des évolutions géologiques qui ne respectent pas la loi de la conservation de la matière. Qu'est-ce que vous penseriez d'un chimiste qui vous propose des réactions chimiques qui ne sont pas équilibrées? Ce n'est pas très très sérieux, si vous voulez. On dirait H2 plus O2 donne H2O. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, je dis que en géologie, on doit être contraint par les mêmes règles. Quand on a un bassin sédimentaire et qu'on en fait une chaîne de montagne, ben, il doit y avoir autant de matière au début et à la fin. C'est le principe de l'équilibrage, des coupes. Ce n'est qu'une application à la tectonique de ce principe qui a littéralement fondé la science moderne, qui est celle de la conservation de la matière. Alors, cette loi de la surface en excès, on va essayer justement de l'exprimer en fonction des quelques pistes que je viens de donner. Vous avez ici un morceau de bassin sédimentaire que je limite par des grandes limites verticales. Vous comprenez bien que si je veux appliquer une loi de la conservation de la matière, il faut que j'ai des limites. Je ne peux pas dire que je conserve la matière comme ça en absolu. J'ai besoin de fixer mon modèle, de dire où il s'arrête et où il commence. Donc, j'ai ici la topographie, si vous voulez, mes limites de mon modèle et le niveau de décollement dont on a parlé tout à l'heure. Et ce que je dis, c'est que quand je déforme ici une certaine quantité de raccourcissement qui est là, eh bien, je fabrique ici un relief. Et la loi de la conservation de la matière me dit que le volume qui est déplacé ici à l'arrière est obligatoirement égal au volume topographique qui est créé. Alors, si j'exprime cela en termes de surface, en supposant qu'une particule sédimentaire va rester dans le plan de la déformation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des particules sédimentaires qui vont dans un sens ou dans un autre, on reste dans le plan de la déformation, on va parler de déformation planaire, on peut dire que la longueur de la couche une fois déformée est égale à la longueur de la couche du même espace initial plus le raccourcissement. C'est-à-dire que le raccourcissement plus la largeur du pli, c'est égal à la largeur du bassin initial. Donc de la loi de la conservation de la matière, je suis en train d'introduire, en posant un certain nombre d'hypothèses, dont la déformation planaire, je suis en train d'introduire une loi qui est beaucoup plus simple pour un géologue qui travaille sur coupe. C'est une loi de conservation des longueurs. C'est-à-dire, une longueur initiale est là, je la retrouve une fois déformée ici, c'est-à-dire que je dis que la différence entre ça et ça, c'est le raccourcissement. Alors, donc, ce que je viens d'introduire, c'est une méthode simple pour calculer le raccourcissement dans un. Alors, on constate également que cette surface ici, S, elle est égale à cette surface ici. Cette surface ici, c'est le niveau de décollement multiplié, donc c'est le niveau de décollement ici, et cette surface est égale au raccourcissement multiplié par la hauteur du niveau, la profondeur du niveau de décollement. Alors, sur une coupe géologique, il est souvent facile de mesurer la surface du pli, si vous voulez, ce qui dépasse de la surface. Il est également facile, on vient d'en parler, de mesurer le raccourcissement. Donc, comme on connaît cette valeur S et qu'on connaît le raccourcissement, il est facile de calculer la profondeur du niveau de décollement. Donc là, on a un accès, si vous voulez, à un caractère fondamental de notre pli, qui est la profondeur du niveau de décollement. Cette profondeur H, qui est souvent une inconnue, à moins de disposer de sporage ou de choses comme ça. Bon, alors voilà donc cette loi de la surface en excès. C'est encore une fois la loi de Lavoisier. Un peu plus loin dans le raisonnement que j'essaye de vous esquisser, c'est que cette loi de conservation de la matière, elle s'applique à toutes les étapes du plissement. Si vous avez un bassin sédimentaire, vous commencez un petit peu à le déformer, mettons d'un mètre, vous le raccourcissez d'un mètre, la loi de la surface en excès s'applique. Vous appuyez encore d'un mètre, la loi de la surface en excès continue à s'appliquer. Elle s'applique à toutes les étapes de la déformation. Obligatoirement.
On ne peut pas, pendant la déformation, faire disparaître du matériel et en faire apparaître ailleurs. On a toujours la même quantité de matière à toutes les étapes de la déformation. Alors, voyons un peu un pli. Voilà, je suis en train de faire un pli ici, vous voyez. Hein, donc, j'ai à chaque étape le raccourcissement qui est indiqué par la flèche, voilà, par la flèche noire. Voilà chaque étape du raccourcissement. Et je vais regarder, en appliquant cette loi que je viens de vous proposer, quelle est la profondeur du niveau de décollement qui est imposée par chacune, qui est à chacune de ces étapes. Alors, donc je renvoie un petit peu mon petit dessin là-haut et je vais calculer la profondeur du niveau de décollement de chacune de mes étapes. Et vous voyez que sur l'état numéro 1, ici, j'ai un niveau de décollement qui est là. L'état numéro 2, j'ai un niveau de décollement qui est là. L'état numéro 3, j'ai un niveau de décollement qui est là. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand je fabrique un pli, le niveau de décollement, il se balade dans toute la colonne stratigraphique. Si j'extrapole ces données-là, je me rends même compte sur ce graphique, entre la valeur du raccourcissement et la profondeur du niveau de décollement, que lors du premier incrément de déformation, le premier millimètre de la déformation, le niveau de décollement est infiniment profond. Alors là, je m'arrête parce que j'espère que vous avez tous rendu compte que je suis en train de vous raconter des bêtises. C'est absolument pas possible ce que je suis en train de vous raconter. Le niveau de décollement, il est fixé par la stratie. En Tunisie, dans l'Atlas méridional ou dans l'Atlas central, le niveau de décollement, il est dans le trias, point final. Et au début de la compression, il n'était pas en dessous du centre de la Terre, en Australie ou quelque part par là. Hein? Donc là, il y a un gros problème. On reprend tout le raisonnement, hein? On pourrait le reprendre, il n'y a aucune faute de raisonnement. Alors, il y a où? Le problème, le seul problème qu'on est capable de trouver, c'est que ce modèle-là que je suis en train de vous dessiner, hein, celui qui est terriblement intuitif, celui qu'on tout le monde pense quand on fait un pli, celui du petit modèle en papier dont je vous ai parlé au début, il n'est pas possible. Un pli, c'est obligatoirement plus compliqué que ça. Cette cinématique du pli, qui est la cinématique intuitive, celle que tout le monde aurait mis sa main à couper, que c'était comme ça que ça marchait, eh ben, elle ne peut pas marcher. Parce que si j'essaie d'appliquer à ce dessin-là, la loi de la surface indexée, je tombe sur quelque chose d'impossible. On est en présence d'un raisonnement par l'absurde. Hein. Je prends une cinématique de pli, celle qu'on vient de voir, j'applique la loi de la conservation de la matière là-dessus, et je tombe sur quelque chose qui n'a aucun sens géologique. Donc cette cinématique intuitive, hein, celle qui dit que la maximum de la déformation, vous voyez, elle est dans la charnière ici, elle est fausse. Et ça vous explique pourquoi, quand on a fait les études de la fracturation sur Jebel Seib, hein, on avait de la déformation sur les flancs, et pas, enfin ça ne vous l'explique pas, mais vous comprenez mieux pourquoi on n'a pas trouvé une déformation dans la charnière, parce que c'est pas comme ça que se fait un pli. Donc là, ça commence à devenir très très intéressant, parce qu'on se rend compte, si vous voulez, que manifestement, il va falloir qu'on invente notre cinématique de pli, notre manière dont le pli se forme, pour essayer de mieux expliquer la fracturation. Et on est en plein dans le cœur de notre problème, hein, c'est le lien entre la tectonique et la fracturation. Alors, je vais vous proposer un autre modèle de plissement, hein, c'est celui sur lequel on travaille, hein, qui est de dire qu'un pli au début, hop, c'est un tout petit bourrelet. C'est un tout petit bourrelet dans un coin. Et qu'au fur et à mesure que le raccourcissement va augmenter, ici, en appuyant, bien le pli va croître, voilà. Et vous voyez, pour que le pli croît, c'est-à-dire grandisse, voilà, ici, bien, il faut obligatoirement que les flancs augmentent de taille. Je reviens. Excusez-moi. Vous voyez, regardez bien un flanc, à l'étape suivante, le flanc est plus grand, et à l'étape suivante, le flanc est encore plus grand. Et pour que
ces flancs augmentent de taille, il faut obligatoirement que les charnières se déplacent. C'est-à-dire que la différence fondamentale qu'il y a entre ce modèle-là, qui est un modèle où les charnières sont fixes, et les flancs tournent autour de ces charnières, on est obligé d'envisager un modèle où ce sont les charnières qui se déplacent dans le plis. C'est-à-dire un pli, ce ne serait pas quelque chose qui ferait comme ça, ce serait quelque chose qui s'enroulerait, excusez-moi, qui ferait plus ou moins quelque chose comme ça, et avec la charnière, la figure qui se déplace. Et c'est cette idée-là. Alors, voilà les deux modèles synthétisés, et c'est cette idée-là qu'on va essayer de tester. On va essayer de voir, est-ce que cette proposition que je vous fais, c'est-à-dire que dans un pli, les charnières se promènent, est-ce que ça explique mieux ou est-ce que ça explique moins bien la fracturation? Et donc, est-ce qu'on a grâce à ça un moyen, un meilleur moyen de prévoir la fracturation d'un pli que ce qu'on a actuellement? Alors, on va continuer quand même à réfléchir un petit peu sur les histoires de charnières fixes, charnières mobiles, en vous disant, donc, en présentant quand même un certain nombre de problèmes. Ce que je vous ai dit, c'est une vision peut-être un peu idéaliste, un peu simplifiée du problème, mais je voudrais quand même insister sur, bon, on a vu que les modèles à charnières fixes sont incompatibles avec la loi de la surface indexée. Ok. Alors, pourtant, c'est le plus intuitif, ça, on en a déjà discuté. C'est celui qui correspond mieux aux observations structurales. C'est à confirmer. Enfin, bon, il va falloir bosser là-dessus. Et puis, c'est celui qui correspond mieux à l'approche mécanique. Là encore, ça se discute. Ça dépend de comment on présente le problème mécanique. Alors, je vais quand même essayer de vous montrer un contre-exemple. Vous allez voir, les choses sont un peu compliquées. Je suis en train de vous ouvrir une parenthèse, là, pour vous dire que peut-être les choses sont un peu plus compliquées. Là, on est dans le nord de la France, dans une chaîne hercynienne, dans cette région-là, où on a des plis. C'est une coupe géologique qui n'est pas simplifiée, c'est très très surprenant. C'est une énorme coupe géologique, vous voyez les échelles 5 km. C'est pas simplifié, c'est là où il y avait du charbon au 19e siècle en France. Alors je vous prie de croire qu'on a fait pas mal de sondages et qu'on a des galeries partout, donc on est sûr de nous. Elle est quasiment pas simplifiée, cette carte-là. Il n'y a pas d'autre faille, il n'y a que des plis. Il y a très très peu de failles, et vous voyez que les failles ont des très très faibles rejets. C'est un peu surprenant. Et dans cette région, donc, on a notamment, pour alimenter les grandes villes du nord de la France, on a des énormes carrières qui permettent de voir sur quelques centaines de mètres complètement la coupe. Et quand on fait l'étude des microstructures qui sont associées, ici vous avez donc un essai pli avec en bleu l'emplacement de la carrière, en rouge, vous avez ici des micro-plis qui sont associés. Et bien, quand on regarde tout ça dans le détail, on se rend compte, par des études microstructurales de détail, ce que je viens de vous présenter, cette carrière, c'est un sujet de thèse, rien qu'un sujet de thèse, sur une seule carrière. Donc vraiment, on a fait les études vraiment de détail. Ben, on se rend compte qu'en fait, le seul moyen d'expliquer les observations, c'est une charnière fixe. Donc, Là, on a un petit problème, si vous voulez, c'est que je vous ai expliqué pourquoi les charnières fixes ne pouvaient pas marcher, mais pourtant, de temps en temps, on en trouve. On est un peu coincé. Alors, ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que la longueur d'onde des plis, elle est tributaire de la loi de la surface indexée. C'est-à-dire que si vous avez un niveau de décollement qui est peu profond, pour le même raccourcissement, entre un niveau de décollement peu profond et un niveau de décollement profond, vous allez fabriquer de nombreux petits plis qui vont faire un faible relief par rapport à des grands plis quand le niveau de décollement est profond. Et donc, en théorie, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait une relation entre la profondeur du niveau de décollement et la longueur d'onde des plis. Or, en fait, quand on regarde les choses sur le terrain, et qu'on mesure
la longueur d'onde des plis sur différentes coupes qui peuvent venir d'Iran, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, etc., on se rend compte en fait que la longueur d'onde des plis, elle n'est non pas tributaire de la profondeur du niveau de décollement, mais de l'épaisseur du banc compétent le plus important. Donc là on est un peu dans le vague, hein. Je dois dire que c'est des choses qu'on a du mal à comprendre, qu'on a du mal à intégrer dans une théorie. Vous êtes dans des filières de recherche, je ne vais pas vous raconter des histoires, je ne vais pas vous dire qu'on a tout compris, qu'il marche bien. Hein. Il y a un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'on a ici une théorie qui est liée à la loi de la surface en excès, et dans la réalité, on trouve autre chose. Hein. Donc, il y a encore un travail à faire, à affiner tout ça. Ce sera pour votre génération. Le deuxième paradoxe, et sur lequel je vais m'appuyer plus tôt, c'est que le modèle à charnière mobile, hein, celui que je vous propose de tester, c'est le seul qui est compatible avec la loi de la surface en excès. Hein. On est d'accord. Pourtant, ce n'est pas du tout intuitif, hein, ces histoires de charnières qui se baladent. Alors, je pense que ça vaut le coup que j'essaie de passer un peu de temps à essayer de vous prouver que les charnières, ça peut se balader. Hein. La théorie le prévoit, bien que la théorie, vous l'avez vu, elle est un peu faible, quand on n'a pas réglé tous les problèmes. Mais je voudrais vous montrer que la migration des charnières, c'est quelque chose qui existe. Hein. Que quand vous voyez un puits, il ne faut pas penser toujours ça. Hein. Ça peut être des systèmes qui s'enroulent. Des choses à peu près. Alors, voilà par exemple un modèle numérique, hein, parce que bon, bien sûr, on est au XXIe siècle, hein, on fait de la programmation. Voilà par exemple un type de pli. Alors, excusez-moi, comment ça marche, voilà. Hop. Voilà un type de pli, hein, qui va respecter totalement la loi de la surface en excès. Vous allez voir que je vais le déformer ici, je vais fabriquer un pli ici, et c'est vérifié par l'ordinateur à toutes les étapes. Hein, je ne crée pas de matière, je n'en fais pas disparaître. Je respecte dans ce genre de dessin, dans ce genre de dessin animé, la loi de la surface en excès. Vous voyez que le déplacement de ce pli ici correspond à une migration de charnière. Vous voyez, la charnière est en train de se souder. Je vais essayer de recommencer pour vous montrer ça. Si je mets mon doigt à la charnière, vous voyez que la charnière se déplace. On est typiquement dans un système de migration de charnière. Hein? Donc ça, en fait, on tourne toujours un peu en rond. Hein? La migration de la charnière, c'est une solution très simple pour respecter la loi de la surface en excès. Alors, là on est face à un certain nombre de décisions stratégiques, hein, intellectuelles à prendre. La première solution, c'est de refuser la migration de la charnière. Et si on dit que les charnières ne migrent pas, hein, on est bien entendu opposé à obligé de refuser la loi de la surface en excès, qui est, encore une fois, une loi très simple, c'est la loi de la conservation de la matière. Comment refuser la loi de la conservation de la matière? Alors, l'autre solution, c'est de refuser la fixité des charnières, et on a vu que ce n'était pas non plus une position intellectuelle très confortable, parce qu'il y a des endroits où, manifestement, la loi de la fixation des charnières est évidente. Hein. Donc, on est vraiment dans un processus de recherche, on ne sait pas ce qu'on va trouver. On essaye d'avancer, on essaye de comprendre. Alors, ce que moi je vous propose comme piste, c'est que, d'une part, on peut rendre compatible la loi de la fixité des charnières et la loi de la surface en excès, mais ça, on va regarder ça très très vite. Et surtout, j'ai essayé de vous montrer que les charnières, effectivement, peuvent migrer. Hein. C'est-à-dire que ça va nous ouvrir le champ des possibilités pour expliquer, encore une fois, c'est ça que j'ai en tête, les relations entre la fracturation qui est associée au plissement et le plissement, hein, c'est-à-dire nos problèmes de porosité efficace, etc. Alors, très rapidement, comment rendre compatible la loi de la surface en excès et la fixité des charnières, hein. Donc, si j'applique ma loi de la surface en excès, je la répète, hein, j'ai mon bassin sédimentaire, enfin une couche sur bassin sédimentaire ici à l'origine,
une fois que j'ai raccourci, voilà où se situe ma bouche. Alors vous voyez que dans ce genre de dessin, on ne fabrique que des reliefs. Mais si on admet que on puisse fabriquer également des creux, c'est-à-dire qu'on fabrique des reliefs et des creux, hein, les choses deviennent bien entendu beaucoup plus faciles. Et vous voyez par exemple ici, sur une première étape, on a créé un relief qui est énorme par rapport au déplacement ici, mais on crée aussi un creux et qui est plus petit, et c'est la différence entre le creux et le relief qui est égale à la surface qui est déplacée à l'arrière. C'est-à-dire que selon les étapes, là, dont je vous dessine ici quelques exemples, hein, on arrive à développer un pli avec des charnières fixes. Il suffit d'admettre qu'on fabrique des creux en même temps que les reliefs. Alors, pour rien vous cacher, c'est un modèle qui marche très bien voilà. Dans la baignoire dont je vous parlais ici. Hein, on peut très bien envisager que là on a une bosse, un creux, une bosse, un creux, une bosse, un creux. Pour rien vous cacher, c'est un modèle qui est quand même très très difficile à appliquer en Tunisie, où on a des grands plateaux et des anticlinaux, des plateaux, des anticlinaux, des plateaux, des anticlinaux. Il n'y a rien qui ressemble à des creux comme je vous l'ai dessiné dans ce modèle. Donc, en Tunisie en tout cas, la solution que je vous propose ici, je reviens là-dessus, ici, ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Alors, donc, on va quand même, notamment pour la Tunisie, continuer à explorer notre piste blanche, la migration des champs. Vous voyez ici, il y a des zones lacs, il y a des discordances internes, encore toute une série de zones lacs, etc. Ce que je dis, c'est que la géométrie fine de tout ce système ici, des on-labs, des discordances internes, etc., est un moyen de comprendre les étapes de la croissance du pli. Quand cette première couche s'est développée ici, bah le pli avait une certaine forme, et la deuxième couche, etc., etc. Alors l'analyse de ce genre de choses est bien entendu très très compliquée, et le mieux, c'est de décrire hein, un logiciel de simulation, donc faire de la modélisation de ce genre de phénomène. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail des principes de cette modélisation, si ce n'est pour dire que là encore, je vais appliquer des lois de conservation de la matière, hein, c'est vraiment l'idée phare de la recherche. Et juste pour vous dire que quand on simule des comportements de migration de chaînière ou de rotation de flanc, on a des bassins syntectoniques qui ont des formes complètement différentes. Quand on a de la rotation de flanc, vous voyez qu'on a un système en éventail. Par contre, quand on a la migration charnière, hein, on a des choses qui sont beaucoup plus compliquées, avec notamment la mise en place de systèmes d'épaulement dans les formations syntectoniques. Alors, on va regarder des grands bassins syntectoniques qui existent, ici par exemple dans le sud des Pyrénées. Et dans le sud des Pyrénées, vous voyez ici, alors là, on a les montagnes, le pli. Ça, ce sont des grès et des conglomérats qui correspondent aux deux bassins syntectoniques. Et vous voyez qu'on a précisément des formes qui évoquent un des deux dessins que je viens de vous montrer. Quand on fait des relevés précis, voilà par exemple une coupe géologique qui a été faite avec énormément de détails sur le terrain. Et je vais vous montrer ici le type de modélisation qu'on peut proposer. Voilà, donc, avec cette cinématique-là, le modèle numérique qu'on peut proposer et qu'on va pouvoir comparer avec la coupe de terrain. Vous voyez qu'il y a une similitude absolument remarquable. Donc, on est obligé, hein, si on croit à la loi de la conservation de la matière, d'admettre que, par exemple, dans ce cas-là, on est dans un système à migration charnière. Pas du coup dans un système de glissement. Autre argument qui est un peu le corollaire, qui est un peu le pendant de ce que je viens de vous proposer, c'est de se rendre compte que quand on fabrique un relief, donc un pli, ce relief va être attaqué par les agents atmosphériques et
on va créer une sédimentation syntectonique, hein, ça on vient d'en parler, mais on va aussi créer une forme morphologique particulière sur le relief, un type d'érosion particulier. Alors, si on pense à des systèmes de rotation de flanc, on a un système d'érosion qui est extrêmement classique, hein, avec une érosion régressive. Hein, au fur et à mesure que votre relief se forme, il est attaqué par l'érosion régressive, c'est-à-dire que l'érosion est maximum au pied du relief. Et puis, la vallée, en fait, s'enfonce ensuite dans le relief. Par contre, si on est dans ces systèmes à migration charnière, vous voyez qu'à tout instant, le bas du relief, c'est un ancien zone plate qui vient juste d'être relevé par rotation. C'est-à-dire que l'érosion n'a pas encore eu le temps d'avoir lieu. C'est-à-dire que l'érosion, elle n'est pas maximum au pied du relief, elle est au contraire minimum au pied du relief. Et là, on a un critère, si vous voulez, qui va nous permettre de discuter de la cinématique de nos. Alors, on va encore retourner sur le Jebel Seïb, hein, qui a été historiquement ce qui nous a le plus intéressé, parce que c'était pour essayer d'expliquer la fracturation du Jebel Seïb qu'on a mis en place tous ces travaux. Hein. Alors, le Jebel Seïb, hein, vous vous souvenez, c'est une espèce de dos de baleine de la formation Abiode qui affleure. Ce dos de baleine, c'est ce que vous voyez ici. Les espèces de cuesta que l'on a ici, c'est du tertiaire. Donc, on est sur notre dos de baleine. On a une érosion rayonnante, effectivement, s'il pleut là-dessus, l'eau s'écoule sur les deux flancs, hein, donc qui ont créé tous ces ouèdes qui sont divergents, hein, qui vont vers la plaine. Et vous voyez sur cette photo qu'en pied de relief, l'érosion est absolument minimum. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans un contexte d'érosion régressive, on est dans quelque chose qui est complètement différent, qui, à mon avis, ne peut être expliqué que par les processus de migration d'achat. Alors, par ailleurs, et ça c'est un second critère, c'est que quand on regarde dans le détail le réseau hydrographique, on voit que c'est un réseau hydrographique qui est très complexe, avec beaucoup de confluents, des affluents, des captures, etc., en haut de relief. Vous avez ici la grave du plan axial, alors qu'en bas de relief, on a un système très très simple, de drainage simple, sans aucune hiérarchie. Et ça, n'importe quel géomorphologue, hein, vous expliquera que ces deux types d'organisation du réseau hydrographique, il y en a un qu'on peut appeler mature, l'autre qu'on peut appeler immature, hein, c'est-à-dire que ce réseau de haut de relief est beaucoup plus ancien que le réseau de bas de relief. Comment voulez-vous que le sommet d'une montagne soit plus ancienne que le bas de la montagne, si ce n'est qu'en fabriquant la migration de charnière? Alors, troisième argument, bon là c'est presque un gag, hein, parce que c'est très subtil comme argument, enfin allons-y. Je vous en parle parce qu'il y a des exemples en Tunisie, hein, ça c'est la thèse de Soulaïma Mareo qui a été dirigée par Mohamed aussi. Dans certaines régions, notamment en Iran, hein, c'est un travail d'Harrison et Falcon en 1934, donc on a, voyez, on a des couches géologiques qui font des bopis, il n'y a pas de problème, hein, là on devine la suite aussi, et vous voyez que cette couche-là présente une drôle d'allure, c'est-à-dire qu'elle ne remonte pas là, non, elle revient ici. Alors, Harrison et Falcon, avait supposé, si vous voulez, qu'en fait, à l'origine, cette partie couche, elle était là, et puis qu'après, elle s'est retournée dans la vallée. Bon, alors, c'est des choses qui existent, hein, aussi. Là, on est toujours dans les Ardennes, hein, c'est notre grande région dans laquelle je travaille, avec la Tunisie. On est dans l'équivalent géologique de la Tunisie, hein, et vous voyez qu'on a ici un espèce de pli isoclinal, avec notamment toute cette partie-là, une série inverse. On est dans un synclinal, si vous voulez. Alors, dans le détail, si vous voulez, sur cette couche en série inverse, qui est là, on a des dépôts syntectoniques, brèches syntectoniques.
Alors, quand on regarde tout ça dans le détail, vous voyez qu'il y a un passage très progressif entre la plaque tectonique et les formations géologiques. Alors, vous voyez qu'elle se démantèle ici. Hein. On est vraiment dans un système actif syntectonique. Voilà le petit schéma explicatif. Alors, le type de modèle qu'on a proposé, hein, c'est un modèle qui explique que sur un niveau d'évaporite, ici, on a une couche, si vous voulez, qui, suite à l'érosion très précoce, en fait, s'est retrouvée transportée ici sur le flanc. Hein, c'est précisément ce qu'on appelle un flanc. Et on se rend bien compte, pour qu'un tel système marche, il faut obligatoirement que là, que la charnière migre. Sinon, on n'arrivera jamais à développer le flanc. Harrison et Falcon, eux, avaient proposé que la couche se retourne complètement, ce qui n'a bien entendu aucun sens. Hein, à notre avis, et c'est vers ça qu'avait conclu également Soulef Amaria, c'est une démonstration de la migration des charnières. Alors, donc, vous voyez que quand on regarde les arguments morphologiques, quand on regarde les arguments d'enregistrement sédimentaire, quand on regarde les flaps, ça c'est vraiment encore une fois plus anecdotique, hein, on a vraiment des arguments pour dire que la migration des charnières, c'est quelque chose qui est crédible, notamment en Tunisie, hein, où je vous avais montré que le modèle alternatif, c'est-à-dire la charnière fixe, avait très peu de chances de marcher. Alors là, on va rentrer directement dans le cœur du sujet. C'est précisément en se posant la question des relations entre la fracturation et le type de comportement des charnières. Alors vous voyez que si on a une rotation de flanc, hein, on doit s'attendre à ce que la zone la plus déformée soit strictement localisée à l'endroit de la charnière. Par contre, si on a une migration de charnière, eh bien, tout le flanc, absolument tout le flanc, a été, à un moment ou à un autre, en position d'être une charnière. D'ailleurs, vous comprenez très bien qu'on ne va pas avoir le même type de déformation, le même type de microfracturation, le même type de porosité, hein, si on est dans un système comme ça ou dans un système comme ça. Alors, la première personne, excusez-moi, oui, alors, en termes de déformation, il faut également signaler que quel que soit le mode de déformation, les flancs, hein, ont obligatoirement subi un cisaillement, et donc ce cisaillement, il est général dans le flanc, quel que soit le modèle. Donc notre problème est de savoir, dans un flanc donné, est-ce qu'on a que l'effet du cisaillement ou est-ce qu'on a également l'effet du passage à la charnière. Alors donc historiquement, encore une fois, hein, la première fois qu'on a véritablement attaqué ce problème-là, c'est en Tunisie avec Riyad Mahdi et toujours sur Jebel Seyib. Et donc on a réalisé, je vous l'ai déjà évoqué, hein, des études microtectoniques sur la totalité du dos de baleine de Diop, de cette grande masse de calcaire, pour essayer de voir le genre de fracturation qu'on trouve. Hein. L'idée, si vous voulez, elle est là, c'est qu'on s'attend à trouver de là du cisaillement dans les flancs, donc ça c'est le résultat d'un petit modèle de ce pli, et qui correspond, si vous voulez, donc là c'est une vision 3D, hein, plus exactement avec le temps en troisième direction, hein, donc vous avez l'état initial qui est tout au bout, c'est un quelque chose de complètement plat, puis au fur et à mesure que le temps se développe, le pli prend de la place et prend de l'ampleur, s'élargit. Et s'élargit par migration des charnières, c'est ce qu'on voit ici. Donc les flèches grises indiquent le sens de migration des charnières, et les flèches noires indiquent la trajectoire des particules sédimentaires, donc qui sont amenées à traverser les charnières, donc ce qui matérialise la migration des charnières. Donc, voilà le modèle qu'on s'attend à trouver sur GLCIB. Et on se rend compte qu'effectivement, le maximum de la fracturation est sur les flancs. Alors, pour
bien vous cacher, et je crois qu'il faut être tout à fait honnête là-dessus, la démonstration n'est pas complète. C'est-à-dire qu'on arrive à montrer que la fracturation maximum est dans les flancs, mais on n'a pas pu montrer que cette fracturation était liée au passage d'une charnière. On a juste pu montrer qu'elle était maximum dans les flancs. Si vous voulez, si on veut vraiment avoir un débat scientifique là-dessus, on pourrait très bien supposer que ce n'est seulement le cisaillement qui provoque, le cisaillement des flancs qui provoque cette fracturation. Toujours est-il, très bien. Alors, je voudrais, donc, pour l'instant, vous avez vu le raisonnement, hein, comment on a mis en place ce raisonnement en disant que, en résumant très rapidement, le modèle classique de charnière fixe marche pas. N'est pas satisfaisant pour expliquer les observations. En développant des modèles théoriques originaux, on peut faire marcher ce modèle-là, mais ce que ça implique, c'est-à-dire le creusement de plis en même temps que les anticlinaux se forment, c'est-à-dire de grands synclinaux en même temps que les anticlinaux se forment, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable pour la Tunisie. Donc en Tunisie, dans l'état théorique de notre réflexion, il n'y a que la migration de charnière qui peut expliquer la formation des plis. Donc on essaye de tester cette idée, hein, sur un certain nombre d'exemples pour faire coller les observations de terrain, l'étude de notre fracturation, avec notre théorie. Alors, pour rien vous cacher, hein, c'est un travail qui est compliqué, qui est long, qui est de longue haleine, on n'est pas sûr de réussir, mais je vais vous donner quand même quelques exemples, hein, des études très récentes qu'on a menées dans cette optique-là. Hein. On a un certain nombre de thésards dans le cadre d'un projet Transmaghreb, hein, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants marocains, des étudiants algériens, des étudiants tunisiens qui travaillent là-dessus, hein, dans le cadre d'un projet de coopération qui vient juste de se terminer là-dessus. Et je vais vous donner quelques exemples, hein, de relations, de fracturation avec le pisque. Ne vous attendez pas à ce que je vous explique les relations de cause à effet, c'est juste pour vous montrer dans l'état actuel de notre recherche. Hein. Elle n'est pas finie, on n'a pas encore compris. On doit encore travailler là-dessus, il y a encore des thèses à soutenir là-dessus. Alors, ça, si je me souviens bien, c'est un exemple algérien. C'est un exemple en Algérie, où donc c'est un synclinal, c'est juste un relais entre deux anticlinaux, et vous avez ici les rosaces de répartition de la fracturation dans ce synclinal. Alors, première constatation, hein, vous voyez qu'on a très nettement une direction privilégiée ici, qui pose un certain nombre de problèmes qu'on n'a pas encore compris par rapport à la direction du pli. Par ailleurs, au niveau de la répartition stricte des fractures, vous voyez que dans certaines zones, on est exactement dans des modèles qui semblent correspondre précisément à ce que Riyad Abadi avait montré sur CIL, c'est-à-dire une fracturation préférentielle des flancs, le pointillé est ici, c'est l'expliquer. Dans d'autres régions, qui sont ici, on a au contraire une répartition très homogène de la fracturation. Bon, les travaux ne sont pas terminés, hein, là, la personne qui s'occupe de ça est en première année de thèse, on a d'autres exemples à travailler, on doit aller regarder beaucoup plus précisément à quoi correspondent les fractures, essayer d'autres tests statistiques, etc., pour essayer de voir si on peut avancer. Oui, alors donc là, excusez-moi, j'avais oublié cette figure. Là, c'est la carte de la densité de fracturation. Hein, c'est ce que j'évoquais avec vous. Hein. Il y a des endroits où on a la charnière qui est principalement déformée. Il y a d'autres endroits, c'est le flanc. Il va falloir qu'on avance et qu'on comprenne tout ça. Ça, c'est un autre exemple qui, lui, est aussi en Tunisie. Est en Tunisie. Hein, et... curieusement, on retrouve la même répartition globale de la fracturation, qui ne paraît pas très très logique par rapport à l'axe du pli. Là, c'est un anticlinal. Et dans ce cas particulier, vous voyez qu'on a plutôt l'impression que c'est la charnière qui est particulièrement déformée. Bon, je n'ai pas d'explication à vous apporter à ça. Encore une fois, hein, vous l'avez dit dès le début, je vous présente un projet de recherche, c'est-à-dire des raisonnements qui ont été menés au début et où on en est actuellement. J'espère pouvoir revenir dans quelques années
vous expliquer toutes ces figures. Voilà, j'ai terminé. Je suis persuadé que vous vous sentez peut-être un peu déstabilisé, déçu, mais je crois que j'ai essayé de vous faire toucher ce qui était le véritable métier du chercheur, c'est-à-dire essayer de développer une théorie et de la vérifier sur le terrain. Pour l'instant, notre théorie, elle est propre, elle est presque finie. La vérification sur le terrain, la compréhension des phénomènes est largement encore à faire, et c'est là-dessus qu'on travaille.